Hey Curious, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très rapide. J'ai reçu des enveloppes, ça fait un petit moment pour certaines, je les ai mis de côté pour pouvoir vous en faire une vidéo. Aujourd'hui, j'ai 4 enveloppes à vous ouvrir. On va les ouvrir ensemble. Il y en a certains, c'est des cadeaux, d'autres, c'est des échanges, d'autres, c'est des achats. On va voir tout ça ensemble. J'avais beaucoup trop hâte de vous montrer ça. Je me suis dit que ça valait le coup de vous en faire une vidéo parce que notamment la dernière enveloppe, c'est un achat de ma part et c'est un très bel achat. Donc je voulais le partager avec vous. Si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, je vais pas forcer, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. On est parti pour cette ouverture. Alors, première enveloppe, c'est une enveloppe de Jimmy et c'est un échange cadeau moitié-moitié entre les deux. Et je sais pas grand chose en fait de cette enveloppe-là. Alors je fais juste gaffe parce que j'ai pas caché l'arrière. Je voulais faire vite, je voulais ouvrir l'enveloppe que j'ai reçue aujourd'hui rapidement. Tac. Ok, donc il y a des cartes sous blister. Il y a des cartes ici. Oh, stylé! Stylé, regardez ça. C'est trop chou. Attendez, je me plante pas. Ah non, c'est pas l'enveloppe de Jimmy. C'est pas l'enveloppe de Jimmy, pardon. Alors, c'est l'enveloppe d'un abonné, mais il ne m'a pas laissé son prénom et je me rappelle plus son prénom. Je retrouve plus le message. Donc, je vais le rechercher, bien évidemment. Carte bonus. Bah, merci, mec. Ça fait grave plaisir. Tac. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis en bonus? Sachant qu'il y a des cartes sous sleeve en top loader. Je sais ce que c'est en plus. Ok, Lannister. Ok, donc là, c'est des petites communes assez sympas. Et ça, normalement, voilà, c'est du Karakuri qu'il me manquait. Et effectivement, c'est un cadeau d'abonné. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. La petite synchro qui fait grave, grave du bien. Donc là, je m'excuse, je me suis dépêché, j'ai pas vérifié les noms, etc. Mais je mettrai son nom juste ici. Et en tout cas, grand merci à toi, ça fait super plaisir. Le deck Karakuri est un deck qui me plaît énormément. Donc ça, c'est sûr, c'est l'enveloppe de Jimmy. Deuxième enveloppe, du coup, tac. Et Jimmy, c'est un cadeau. En échange, il faut simplement que je lui envoie, enfin, simplement, entre guillemets, hein, une carte dédicacée. C'était sa demande et il m'a envoyé un paquet de cartes. Ça fait déjà un petit moment que j'ai cette enveloppe-là, donc je l'avais prévenu que ça mettrait du temps puisque, eh bien, tout simplement, je voulais en faire une vidéo. Il m'avait dit qu'il trouvait même ça mieux. Il y a un petit mot, on va lire le petit mot. Tac, je te regarde depuis la Suisse et je trouve que tu mérites un cadeau pour tous tes efforts. Vive Yugi. Merci, mec. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment super plaisir. Alors... Tac, petit Monster Reborn, carte emblématique eh bien de ma chaîne tout simplement. Derrière on a quelques... Oh, il y a des belles cartes dis donc. Il y a de très belles cartes, un petit Red Reboot. Et derrière on a une carte d'exécution. Ok, putain ça fait grave. Vous avez vu que... Ok. On va la mettre derrière, on va pas la regarder tout de suite, mais je l'ai vu. Ça va être une dinguerie. Le petit Pancrin en secret BLHR, il est vraiment super beau. Ici c'est la carte qu'il m'a demandé de dédicacer. Voilà, donc je vais lui dédicacer et je crois même que je l'ai en super ou en ultra, donc je vais te renvoyer la super ou ultra. Et derrière, mais c'est quoi cette carte d'homme? Un Horus métaphysique et en plus de ça français, en plus de ça bon état et en plus de ça premier état, première édition. Ça fait extrêmement plaisir, putain c'est fou. Bah merci beaucoup, c'est cool et je vais te renvoyer ta carte, y'a aucun problème, ça fait vraiment trop plaisir. Les deux derniers, alors ça c'est un échange, tac. Alors, je l'avais ouvert juste pour être sûr que les cartes étaient arrivées en bon état. Mais j'ai quand même le déballé avec vous. Normalement, c'est deux très belles cartes à l'intérieur. Donc, une petite force miroir radieux. Pas en première édition, malheureusement, mais en super état. Elle est vraiment magnifique. Et un petit héros de la prophétie. Alors, GLD5, elles sont pas très rares, etc. On le sait. Mais bah, ça fait extrêmement plaisir, donc c'est très cool, les cartes sont arrivées en bon état, c'est une bonne nouvelle. Et derrière, cette enveloppe là, je l'attendais beaucoup, c'était vraiment l'enveloppe qui faisait que j'attendais pour faire la vidéo. C'est un achat personnel, c'est un achat que j'ai payé relativement cher, et je suis content de pouvoir l'ajouter à ma collection. Prends-en grand soin, Jordan. Alors, merci à toi, Jordan. Déjà, cette enveloppe est juste miraculeuse. Derrière, on a deux top loaders. Ouah, mais c'est quoi cette protection de génie? Jordan, il m'a dit qu'il prenait grand soin des protections. Qu'il était connu pour ses protections plus que solides. Eh bien, écoute, tout le YouTube sphère hein, va en avoir la preuve, tout simplement. Je pense qu'effectivement, on peut pas faire bien mieux si tous les envois card market étaient aussi bien protégés. Oh, putain, les belles. Oh. Attendez, je voudrais pas les abîmer. Bon, je vais vous les montrer comme ça. Le petit nuage de mouton en première édition. Et surtout, l'homme oiseux à
l'éclat lumineux. Putain qu'il est beau, EEN, il est vraiment magnifique. Je vais pas, j'ai peur de faire des bêtises à travers la caméra, donc je vais pas les toucher plus que ça. Je vous refais un petit récap de cette petite ouverture. Beaucoup de très belles cartes, ça fait extrêmement plaisir. Les Karakuri, c'est cool, les petites communes, c'est cool. Et puis ces pépites-là, c'est vraiment très cool. Voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, c'est très rapide, ça me fait plaisir. Si c'est le genre de contenu qui vous plaît, faut pas hésiter à me le dire. Le pouce est là pour ça, et puis les commentaires également. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao les potes.